pour ce morceau, à part les quelques petites subtilités de doigté qui sont notées sur la partition, il n'y a pas vraiment de difficulté. Vous avez qu'à le jouer ligne par ligne, par exemple, vu qu'il est long quand même, donc apprenez-le lentement. Et considérez juste que l'accord de Do, vous le faites ici, l'accord de Fa ici, et celui de Sol, vous avez la place de le faire ici, mais le La mineur, il faudra le faire plus bas, vous avez vu, il y a un moment, la main droite descend ici, donc si vous faites le La mineur ici, vous n'aurez pas la place. Bon, c'est à jouer avec le métronome, bien évidemment. Donc en mettant le métronome à 60, pas tout le morceau, hein. Vous verrez vous-même les passages qui sont un peu plus difficiles à la fin de la deuxième ligne par exemple, et puis à la fin des quatrième et cinquième lignes, on a des passages un petit peu délicats parce qu'il faut changer un peu le doigté de la main. Donc vous suivrez les instructions. Je vous ai montré le morceau au début, vous suivrez les instructions que j'ai mis là sur la partition. Bon, c'est pas, il n'est pas très compliqué, c'est juste un bon exercice et puis une certaine forme, un exercice d'endurance aussi. Voilà. Je vous le donne parce qu'il est sympa et puis cela permet de compléter votre répertoire à ce niveau-là. J'espère que ça vous sera utile pour le jouer et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.